Allez, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Le froid arrive. On commence à avoir des difficultés à rouler, hein. Mais bon, c'est pas évident, les gars. Alors, aujourd'hui, petite vidéo. Ça, ce que on aime bien en général, c'est du colis. Alors, attention. Bon, bah, qu'est-ce que ça peut être? Parce que ça, c'est pour Max, ça va vous plaire. Déjà, alors à votre avis, bon, je pense que vous avez une idée, c'est pour laquelle aujourd'hui, c'est pas pour la Kugo, ça c'est que la pièce pour la Lutron qui vient de chez nos amis du Altron Store, hein, sans vouloir voilà. Alors, première commande chez Dualtron Store pour ma part. Parfait. J'ai contacté Jérôme par le chat du site. Il m'a répondu dans la minute qui suivait. J'ai pu valider ma commande. Vraiment. Et en 24 heures, c'est là. Chronopost. Thank you. Et voilà, la bête. Donc, c'est la bague. La bague Civis. Couleur titane. Alors, pourquoi couleur titane? C'est parce que le noir n'était pas dispo. Et si jamais ça me plaît pas, il sera toujours temps de la peindre. Ah ouais, quand même. Donc, tu vois, il y a quand même une différence de hauteur, je dis 5 mm, il y a plus que ça, il y a quasiment un bon centimètre de plus sur la bague. Waouh, franchement c'est une belle pièce quoi, quand même. La couleur est sympa quand même, le titane, parce que en vidéo ça donne pas pareil, mais c'est vraiment ça fait gris noir. Non, bah en fait je vais la laisser. Alors pourquoi j'ai pris ça et pas la RX? Normalement je devais prendre la bague de pliage RX. Pourquoi j'ai pris celle-là? Simplement parce que la RX, elle est indispo sur indispo sur indispo. Pour l'avoir, c'est compliqué. Et je voulais en fait vraiment passer sur la bague parce que de toute façon, je perdrai pas plus de temps à serrer les 6 vis. Passer alternativement au bas, au bas, au bas. Pour arriver à brider, parce que moi honnêtement j'ai pas de jeu dans la colonne, quasiment pas, enfin quasiment pas, vraiment juste un peu de flexion, mais il n'y a pas de jeu sinon la façon que je serre. Mais par sécurité, et vu que la bague est un centimètre en fait est plus haute et tout, on passe sur vraiment un truc pour moi qui est quasi qualitatif. Double avantage, c'est que derrière il y a de la matière, tu vois, donc rien ne m'empêchera de mettre ici, faire deux trous pour mettre, parce que j'ai prévu de mettre une barre de LED. Et il y a de fortes chances que je la fixe sur la bague. Donc la bague en fait aura double utilité. Mais bon, on va y aller par étapes, hein, comme on fait d'habitude. Hein, parce que forcément, en plus, j'ai pas que la trottinette à financer aussi à côté. J'ai une vie autre que la trottinette. Même si c'est ma passion. Mais voilà. Ça a quand même un budget. Donc, à savoir que déjà, la bague chez Dualtron Store, elle est à 69,90. Là, c'était Halloween. J'ai eu 3,50 € de réduction. Désolé pour le bruit s'il y a des travaux à côté. Donc, ça fait une bague à moins de 70 balles. Comparé à la RX qui est chez 8 boîtes à 99 €, voire. Plus sur certains sites encore, ou moins, ça dépend, c'est aléatoire quoi. Après, c'est question de goût. Hein. Mais franchement, Dualtron Store, sur le coup là, vous avez assuré vraiment rapide et tout. Bien, bien, bien. Donc, je vais peut-être attendre pour mettre la bague. Ou alors, je vais la mettre maintenant et puis on verra. Parce que je vais vous montrer, j'ai commandé des pastilles, comme j'avais mis sur l'autre. Normalement, qui élimine encore une partie du. La flexion qui renforce encore, qui diminue
la flexion de la colonne. C'est une petite rondelle qu'on remet en dessous. J'en ai commandé là. Alors elles sont pas arrivées. Forcément, j'ai commandé sur AliExpress. Putain, le barouf qui font les connards. Donc, je pensais que ça arriverait en même temps, mais là. Donc, la bague est compatible avec toutes les Dual Crown prix 2021, je crois qu'il marque. Mais bon, enfin, moi je les avais contactés pour savoir déjà si c'était bon, parce que les anciennes bagues étaient plus grosses, hein, pour les anciennes colonnes. Donc, je voulais être sûr que ça soit bien pour la nouvelle colonne. Et confirmer surtout la 10 pour. Que j'avais pas envie d'attendre un mois et demi après ça. Je suis assez pressé comme d'hab. Bon, la prochaine vidéo, ça sera sur la pose de la bague. Merci à tous pour ce petit unboxing. À bientôt.